Bonjour, bienvenue à notre premier atelier Community Creates en français. Le titre français est Collectivement Créatif. Je suis ravie d'accueillir tous ceux qui regardent la diffusion en direct et nos participants dans la plateforme Zoom ainsi que nos animateurs. Je m'appelle Alexandra Ball et je suis votre hôtesse aujourd'hui. Je suis professeure agrégée dans l'école des médias que l'on connaît sous le nom de RTA, qui se situe dans la faculté de communication et de design à l'université de Ryerson. Avant de commencer notre atelier, j'aimerais vous donner un peu d'informations sur l'initiative Collectivement Créatif. Elle a été développée durant la pandémie, maintenant dans sa 7e semaine de fonctionnement, créée par l'équipe du Studio d'innovation créative, ou en anglais The Creative Innovation Studio à Ryerson, sous la direction de Ramona Pringle, elle aussi professeure agrégée dans l'école des médias. L'initiative a été créée pour permettre aux Canadiens de s'exprimer en utilisant la créativité, de développer leurs compétences créatives et de trouver des liens humains en cette période sans précédent. En tant que participant, vous êtes invité à prendre part à une série d'ateliers en ligne gratuite qui sont créés pour vous aider à exprimer ce que vous ressentez à travers différents médias et à partager votre travail en ligne. L'idée est de créer une communauté virtuelle qui nous permet de contrer un peu la routine des rencontres virtuelles de travail que certains d'entre nous ont, avec des activités créatives qui nous enrichissent, et aussi pour nous permettre de nous sentir unis. En parlant d'unité, nous vivons des moments sociaux historiques et au nom de l'équipe Collectivement Créative, je voudrais prendre un moment pour exprimer notre soutien à Black Lives Matter et notre solidarité à tous ceux au Canada et aux États-Unis qui protestent contre l'injustice raciale et pleurent le meurtre insensé de George Floyd. Nous ne sommes pas à l'abri du racisme systémique au Canada et je vous encourage à être de meilleurs alliés si vous êtes blanc et à être ouverts et présents pour vos amis et collègues frustrés en colère et en deuil en ce moment. Les ateliers de collectifs créatifs sont aussi une forme de support pour la communauté artistique. Ils sont parrainés par la communauté créative canadienne. Nous offrons des microphones à des artistes indépendants pour animer ces séances interactives, ce qui est rendu possible grâce à un merveilleux réseau de partenaires, dont l'ONF, l'Office national du film du Canada aujourd'hui. Si vous désirez animer un atelier en français, contactez le studio pour en discuter. Nous avons eu des séances très variées. Les ateliers précédents nous ont introduit à des activités créatives dans le monde de la photo, de la comédie, du podcast et du corps à travers le travail de la voix vocale. Et l'atelier d'aujourd'hui porte sur la narration numérique. Avant de commencer, quelques notes finales. Nous avons des règles de base pour vous aider à avoir une meilleure expérience. Pour les utilisateurs de Zoom, il y a beaucoup de vidéos, de vignettes de vidéos qui passent. Donc, pour vous assurer de ne pas perdre l'émission, appuyez sur la fonction Pin sur la vignette de vidéo intitulée Collectivement Créatif. Donc, prenez une minute. Pour le moment, c'est moi qui parle. Si vous regardez en haut à droite de votre écran, il y a trois petits points. Si vous appuyez là-dessus, vous pouvez voir la fonction Pin. Pinner le vidéo et notre écran restera l'écran principal pendant cette émission. Deuxième point, essayez de faire des exercices vous-même. L'idée est d'être actif dans des ateliers et de s'amuser. Exprimez-vous et n'ayez pas peur de ce que vous avez à nous montrer. Troisième règle, participez à l'atelier à travers les médias sociaux ou le chat. Comme nous sommes en direct, il est possible de recevoir des commentaires sur les activités que vous faites. Profitez-en. Si vous avez la chance d'être dans la session Zoom, participer en utilisant le chat et n'hésitez pas, présentez-vous, commentez, posez des questions. La session est interactive. Si vous regardez l'émission en direct de notre site, utilisez le hashtag Collectivement Créatif sur Twitter et nous essaierons de communiquer avec le plus grand nombre d'entre vous aussi rapidement possible. Dernier point sur la technologie, pour ceux qui sont dans la session Zoom, vos micros sont éteints. Les modérateurs vous réactiveront si vous avez une question à poser. Tout son est enregistré et archivé. Par contre, la vidéo ne l'est pas. Donc, si vous avez décidé de ne pas avoir, d'avoir votre écran allumé, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas enregistré. Nous vous suggérons de garder votre écran allumé pour qu'on puisse voir vos activités lors des exercices. Voilà, nous sommes maintenant prêts à commencer. Les ateliers sont mis en œuvre par plusieurs personnes, en plus de notre équipe technique du studio. Les artistes Paul Tom et Giovanni Lafrenière vont être nos animateurs aujourd'hui et vont nous guider dans les activités. Et Marc-André Roy est le représentant de l'ONF qui va nous les présenter. Bonjour Marc-André, je suis ravie de vous présenter. Avant de nous introduire les artistes d'aujourd'hui, pouvez-vous nous parler de la raison pour laquelle l'ONF a rejoint l'initiative et de ce qui lui passionne le plus?
Oui, bien sûr. L'ONF a rejoint l'initiative parce que en cette période de pandémie, évidemment, on trouvait que c'était une bonne façon et l'atelier qu'on offre, le récit numérique, était une bonne façon d'aborder la question. Et comme vous le savez aussi, l'ONF est impliquée socialement, donc c'est très important. Alors, c'était une façon évidemment, de s'impliquer auprès des gens, auprès du public, de façon directe, parce que c'est ce qui fait que l'ONF est vivante, c'est quand on peut s'adresser directement au public. Donc, voilà. Merci. Est-ce que vous voulez introduire Joanie et Paul? Oui, bien sûr. Donc, merci Alessandra. Bienvenue, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de récit numérique. Je m'appelle Marc-André Roy. Donc, je travaille pour l'ONF. Je suis concepteur pédagogique pour l'École des médias de l'Office national du film. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à réaliser un récit numérique, c'est-à-dire une courte vidéo créée à partir d'un assemblage de photos, de narration, de musique et d'effets sonores. C'est pas très compliqué, vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas du tout. Vous avez besoin d'aucune expérience en production, en cinéma pour faire cet atelier. Alors, le thème de l'atelier d'aujourd'hui, c'est un thème qui occupe l'espace médiatique de façon générale en ce moment, qui est « Comment vivez-vous la pandémie? » Alors, on espère qu'à la fin de l'atelier, à la fin de cette rencontre, vous serez en mesure de créer un petit récit numérique et partager votre expérience personnelle et, en fait, créer une courte histoire sur ce thème, donc, qui est « Comment vivez-vous la pandémie? » L'atelier d'aujourd'hui fait partie d'un plus vaste projet parce que l'ONF, en ce moment, est en train d'achever le développement d'un cours en ligne, d'un grand atelier qui va s'appeler aussi l'atelier du récit numérique. Alors, c'est un cours qui enseigne la production médiatique aux jeunes de 13 à 17 ans, qui se déploie sur 11 modules et qui est fait d'activités interactives, de vidéos et de tutoriels. Et ce cours va couvrir toutes les étapes de réalisation d'un récit numérique. Alors, on va apprendre aux jeunes ici donc ça s'adresse aux jeunes de 13 à 17 ans. Donc, on va leur apprendre évidemment à réaliser dans les règles de l'art un récit numérique, mais aussi et surtout probablement à mieux exprimer leurs idées, à défendre des causes qui leur tiennent à cœur ou à partager des expériences personnelles signifiantes. Donc, c'est vraiment le récit numérique est ici un véhicule pour s'exprimer. Voilà. Alors, si vous êtes curieux de cet atelier-là, il va être en ligne via les plateformes de l'ONF, probablement à l'autre, pas probablement, à l'automne 2020. Donc voilà. Avant de céder la parole à nos deux animateurs, nos deux cinéastes professionnels, je vais vous les présenter. Alors, pour vous guider dans cette aventure aujourd'hui, vous allez être accompagné de Paul Thom, premièrement, qui est réalisateur, animateur et monteur. Qui a entre autres réalisé un beau film qui s'appelle Bagages, qui traite d'immigration et qui a remporté beaucoup de prix. Paul est aussi le mentor de notre grand cours sur le récit numérique qui va être disponible à l'automne. Vous allez le retrouver là aussi. À ses côtés, il y a Joanie Lafrenière, qui est documentariste et photographe, qui a aussi collaboré à l'occasion à l'ONF, entre autres à la création d'œuvres interactives. Qu'elle pourra vous expliquer c'est quoi une œuvre interactive. Alors, tous les deux sont des cinéastes de talent qui voient le cinéma comme un moyen de bâtir des ponts entre les humains et qui ont une voix très personnelle. Donc, sans plus tarder, je vais leur céder la parole et leur laisser vous présenter l'atelier du récit numérique. Donc, je vous souhaite un bon atelier. Salut, ça va Hello. bien? Donc, on nous a bien présenté, Oui. Paul, Joanie. Beau pitch, Marc-André, merci. Donc, on va être ici justement pour vous accompagner à l'élaboration d'un récit numérique, là. Puis on va le faire de façon très conviviale, comme si c'était un 5 à 7. On n'est pas vraiment les meilleurs pour être dans l'espèce de position de professeur, de maître. Donc, Plus un partage. on va partager ce qu'on se connaît, puis on va vous donner des trucs. On vous a préparé des exemples de récits numériques sur le thème de ce confinement-là et on va commenter notre processus. Puis j'espère que ça va être assez, comment dire, structuré pour que vous appreniez des choses. Puis aussi, n'hésitez pas, il y a la fonction chat. Fait
Fait que vous pouvez aussi interrompre et nous demander des questions pertinentes. Commentaires, insultes peut-être un peu moins, s'il vous plaît. Fait que quand on me pose la question pourquoi on fait des films, quand j'ai commencé par faire des films parce que, dans le fond, j'avais besoin de raconter des choses personnelles. Puis c'est dans le cinéma, dans la façon de raconter l'histoire, j'ai trouvé dans mon histoire familiale une espèce de thérapie. Donc avant, maintenant je tourne la caméra vers les autres, je fais des documentaires sur les autres, mais j'ai commencé par documenter ma propre histoire, ma relation avec mes parents, mes enjeux d'immigration. Et c'est à peu près ça qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va d'abord tourner la caméra vers nous, pour voir notre expérience personnelle, notre état d'esprit. Puis après, on va pouvoir soit la tourner vers l'extérieur, puis on va voir justement avec Joanie qu'il y a plusieurs styles différents. On peut éclater le style, parce que Joanie, quand vous allez découvrir son œuvre, vous allez voir son œuvre colorée, avec beaucoup de mise en scène, et voilà. Donc, on va commencer par, comme Marc-André a dit, moi je travaille avec le ONF depuis 2 ans à l'élaboration d'un cours sur le récit numérique. Donc, on a des vidéos déjà de préparées. On en a adapté quelques-unes, mais on va commencer. Que tu as fait sur les dernières années? Fait quand même, c'est du travail qui est rappé en ces 45 minutes-là, mais qui a été préparé quand même depuis un bon moment déjà. Donc, la première vidéo, c'est « Qu'est-ce qu'un récit numérique? » Donc, on va demander à Kevin, qui est à Toronto, de peser sur le piton. Action, Kevin! Ça, c'est le bruit qui existait avant. Puis il y a eu cette pandémie. Tout a semblé figé. Le silence s'est installé. Ma tête a pris du repos. J'ai pu rythmer ma vie autrement. Lentement. Doucement. Mais le silence a tranquillement quitté. Le bruit est revenu, mais dans ma tête. Ma tête vide était devenue un chaos. Je suis devenu irritable, dépassé, découragé. Tout ce que j'avais besoin, c'était d'air et d'espace. De respirer, de voir grand. Je rêvais de nature, d'eau, de forêt, de longues routes et d'horizons larges. J'avais envie de bruits qui me font du bien. Le bruit de ma blonde qui se pitche dans le lac. Le bruit de ma fille qui mange des guimauves grillées sur le feu de camp. Le bruit dans ma tête qui retrouve ses repères. Ça va aller. Donc, on s'est trompé un petit peu. Mauvais départ. Mais on voulait mettre, en fait, la vidéo qui présentait le récit numérique, mais là, on a mis directement la vidéo de Paul, qui était son récit numérique fait bichonner pour l'occasion. Fait que ce qu'on va faire, je propose qu'on mette celui que j'ai fait aussi et qu'ensuite, on revienne avec le vidéo qui explique c'est quoi le récit numérique. Donc, vous allez déjà avoir eu 2 exemples avant. Donc, Kevin, let's play the video. Mine, please. Ça, c'est moi avant la pandémie. Ça, c'est moi pendant. Ding!
Voilà, c'était deux styles bien différents. On forme une paire intéressante, je crois. Parce que là, il y a un peu de recherche visuelle, mais sachez que, par exemple, l'animateur en anglais qui a donné l'information juste avant nous, il a fait quelque chose de super intéressant aussi. Il a fait plus un journal vidéo. Donc, il s'est enregistré, il s'est confié à la caméra, puis à partir de son témoignage, il a plaqué d'autres photos, d'autres vidéos. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être beaucoup plus simple. Exemple que moi, j'y suis allée dans l'idée du collage, mais c'était plus pour exprimer puis témoigner d'une façon de faire qui peut aussi partir dans plein de directions. Donc, avant de juste passer à la capsule « Qu'est-ce qu'un récit numérique? », moi, je crois profondément que tout le monde a une histoire à raconter. Et il suffit juste de savoir comment la raconter pour captiver les gens. Donc, c'est ça qu'on va essayer de vous donner comme outil pour d'écriture, de prise de vue et aussi de montage. Donc, oui, puis c'est le regard, en fait, c'est le regard qu'on pose sur les choses. C'est pas tant, souvent, les gens sont comme, ah, ben, tu sais, comme de se dire que ce sujet-là, comment je me sens durant la pandémie. Après, c'est ce qui est intéressant, c'est le regard personnel qu'on pose comme un sujet. Souvent, les sujets peuvent, les gens disent, ah oui, mais tout a été dit, oui, mais après, il restera toujours la façon qu'on va le raconter. Donc, Kevin, tu peux jouer la vidéo Qu'est-ce que le récit numérique? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un récit numérique? Raconter une histoire par le récit numérique, c'est saisir le monde qui nous entoure et le réinterpréter selon une perspective personnelle. C'est exprimer sa créativité, donner son point de vue et se faire entendre dans la communauté. Mais pour dire quoi, au juste? Tu peux te servir du récit numérique pour dresser ton portrait ou celui d'une personne, d'une culture ou d'un lieu qui t'inspire, rapporter un événement, soutenir une cause ou rendre compte de ton expérience. De cette façon, tu fais entendre ta voix et tes idées à travers l'œuvre que tu partages. Mais comment raconter une bonne histoire? Comment aborder une idée qui t'interpelle pour la transformer en une œuvre unique? Il te suffit de trouver une approche personnelle à ce que tu as envie de dire et d'exprimer ce que tu ressens en combinant des images, des mots et du son. On y va? C'est parti! Donc, vous avez reconnu ma voix? Non. C'était la voix d'un comédien qui a fait toutes les narrations de ce cours-là, parce que c'est un méchant cours, là. C'est 12 modules d'une durée considérable, donc je n'avais pas la patience de narrer tout ça. Ça, c'était un petit point de vue éditorial. On poursuit. Donc, pour le récit numérique qu'on va faire ensemble, bien, chacun de votre bord, mais tous ensemble, on va vraiment axer sur le lien personnel, votre point de vue, parce qu'on se dit que c'est la matière de base la plus proche, la plus facile peut-être. Puis ensuite, après, peut-être que ça vous tentera d'expérimenter, puis de tourner la caméra vers d'autres, ou même d'aller dans l'imaginaire, puis de vraiment d'éclater le récit plutôt que de parler au jeu. Mm-hmm. Mais c'est un bon exercice parce que le matériau de base, bien, vous l'avez. Ça reste un téléphone, vous-même. Votre voix ou pas? Ben, c'est ça. J'inclurais ça dans vous-même. OK. Mettons. Fait qu'il y a plusieurs types de récits possibles. On peut faire un autoportrait, on peut faire aussi le portrait de quelqu'un, on peut faire le récit d'un événement ou juste le récit d'une expérience même. Donc, votre récit peut être engagé, peut être touchant, peut être absurde. Donc, ça peut être drôle. Ouais, c'est pas parce qu'on vit du confinement que c'est lourd qu'on peut pas justement rire ou le voir justement comme tu disais, tout le rapport, le pouvoir, moi je trouve de la création, c'est aussi ça. Des fois, ça peut être catharsique, ça peut nous permettre de sortir d'un certain marasme ou de créer un minimum d'espoir. Voilà. Donc, pour la touche thérapie. Fait que là, on va aborder la question de l'écriture.
comment on écrit ce film-là, ce récit-là? Comment on peut dire ça? C'est que j'avais comme une idée. On a dit tantôt que tous les sujets ont déjà été abordés, mais tout dépend de l'angle qu'on va prendre. Donc, on peut se questionner c'est quoi un angle. Et quoi de mieux que pour vous expliquer ça qu'une vidéo que j'ai déjà produite. Donc, et n'oubliez pas, ce n'est pas sa voix. Donc, on va vous faire jouer la vidéo « Qu'est-ce qu'un angle? » Tadam! Kevin, c'est à toi. Qu'est-ce qu'un angle? Trouver un angle à son récit, c'est peut-être l'étape la plus difficile du processus de création, mais c'est aussi la plus satisfaisante. Parce que c'est avec l'angle que l'histoire va se différencier des autres et devenir captivante. Pour un même sujet, il existe une multitude d'angles possibles. Mais c'est quoi au juste un angle? Un angle, c'est une manière unique d'aborder son histoire, d'en orienter l'approche. Parce que presque tous les sujets ont déjà été traités, mieux vaut le faire d'une façon originale. Un angle permet donc de saisir un sujet à travers quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui donnera sa direction au récit, une accroche qui suscitera l'intérêt. Si j'avais à écrire un récit sur la Tour Eiffel, je pourrais évidemment raconter sa construction et retracer son histoire. Mais comment faire pour que ça ne ressemble pas à tout ce qui s'est déjà fait? Quel angle pourrait captiver le spectateur? Je pourrais présenter la Tour Eiffel à travers le regard d'un enfant impressionné par l'immensité de cette construction ou à travers les yeux de son créateur, Gustave Eiffel. Je pourrais en revisiter l'histoire au moyen de cartes postales ou prendre le point de vue d'un touriste ou d'un réparateur d'ascenseur. Je pourrais même aller jusqu'à faire parler l'antenne qui trône à son sommet. Il y a vraiment plein d'angles possibles pour aborder un même sujet. L'important, c'est de surprendre le spectateur par une approche unique. L'inspiration. Tu veux que je parle maintenant de l'inspiration? D'accord. Rebonjour. Non, mais on était supposé terminer ça. Excusez, on a un petit... ça se passe. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs façons d'aborder le même sujet. Voyons ça vraiment comme l'image du kaléidoscope ou d'un cube. C'est un cube, mais il y a mille façons, il y a plusieurs façons de regarder le cube puis de l'interpréter. Mm-hmm. Donc, tu sais, l'angle, ça peut être un angle très personnel, comme on va vous suggérer de faire, mais on peut aussi être, on peut personnifier, on peut prendre l'angle, mettons, mettons qu'on fait l'histoire de la musique, on pourrait raconter l'histoire à travers les yeux d'un tourne-disque. Ça peut être aussi éclaté que ça. L'angle, ça peut être le ton. Donc, est-ce que c'est de l'humour? Est-ce qu'on veut faire quelque chose de dramatique? Est-ce qu'on veut faire quelque chose d'absurde? On peut utiliser les métaphores pour... on peut parler de ce confinement-là à travers la métaphore de, je ne sais pas moi, d'un papillon qui va en devenir. Ça peut être très kitsch, mais... C'est pas parce que c'est kitsch que c'est pas bon, mais on peut aussi essayer d'interpréter, de prendre un point de vue opposé, puis essayer de le confronter à ce qu'on on vit. Puis voilà, ça, c'est des exemples. Donc, moi, je vous invite à d'abord essayer de le faire de façon personnelle, puis après d'essayer d'éclater. Oui, c'est ça, pour avoir vraiment une base. Puis, comme on en discutait, Paul et moi, il y a tout aussi l'idée de l'inspiration. Parce que souvent, on attend, en tout cas, je ne sais pas, en création, souvent les gens se disent « Ah, mais quand je vais être en voyage, quand je suis en voyage, je me sens tellement plus inspirée. » Mais après, c'est aussi de changer son état d'esprit. Je pense que si tu te dis « Ben, je suis en voyage dans Schlaga », exemple, à Montréal, où ça se peut aussi. Donc, tu peux te balader et ton regard se transforme sur les choses. Puis c'est là que la création peut être inspirante et inspirer aussi. Donc, pour construire un récit, pour après prendre des photos. Puis c'est là où, tu sais, je pense qu'il y a différentes façons de créer, mais je pense que parfois, des images peuvent être à la base d'un récit. D'autres fois, ça peut être justement la pensée, mais il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, en tout cas, pour moi.
Pour le récit que j'ai fait, moi, je suis parti avec la notion de silence et de bruit. Et après, c'est devenu un prétexte pour revisiter mes 2 mois que j'ai passés avec ma fille et ma copine, qui est elle. Donc, j'aimais ce contraste-là, ce thème-là du bruit. Puis le bruit à l'extérieur de moi, le bruit dans ma tête, le silence qui était apaisant au début, mais qui est devenu lourd. Tandis que Joanie, toi, ton approche... C'est un petit peu plus d'y aller. Moi, je dirais que dans les films ou les choses que je fais, en général, c'est moins... on est moins dans la grosse introspection. On est un petit peu plus dans quelque chose de léger. Puis c'est aussi ma façon de faire face à un truc comme la pandémie. Donc, après, c'est des sensibilités, puis il n'y a pas un qui est plus valable que l'autre. On aborde la question de la narration. Dans le fond, vous avez vu dans mon film, il y a la narration de bord en bord. Dans le film de Joanie, la narration... Il y a une narration que moi, j'ai enregistrée qui est la première phrase, mais après, pour moi, c'est une narration aussi. C'est juste que c'est l'utilisation d'une écriture qui est une typo. Donc, c'est comme ça, des fois, ça peut aussi ouvrir à autre chose. C'est pas obligé d'être, on n'est pas obligé d'entendre toujours notre voix. On peut se dire, ah ben, je vais écrire des pensées ou une partie de mon récit. Donc, avant de faire le premier exercice ensemble sur l'écriture de la narration, on va écouter une vidéo qui s'appelle L'art de la narration. Donc, s'il te plaît, Kevin, baisse le piton. L'art d'écrire sa narration. Dans un film de fiction ou un documentaire, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une narration. Les actions et les dialogues sont là pour faire avancer l'histoire. Mais dans un récit numérique... On est de retour. Bonjour. Kevin, il n'y a pas de son, mais on sent que tu vas nous arranger ça, s'il vous plaît. Sinon, toi, tu peux peut-être le partager. L'art d'écrire sa narration. Dans un film de fiction ou un documentaire, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une narration. Les actions et les dialogues sont là pour faire avancer l'histoire. Mais dans un récit numérique, la narration est une composante essentielle. Sans elle, je pourrais difficilement raconter mon histoire. Imagine un conteur qui ne ferait que mimer son propos. Ça pourrait être divertissant un moment, mais on peut parier que l'essentiel de l'histoire ne serait pas bien compris. La narration est un fil conducteur qui lie ensemble les composantes de mon récit numérique. Idées, angles et éléments de la structure narrative. Elle permet de construire l'histoire en séquence, mais aussi de lui donner un ton et une couleur. Une narration peut être poétique, humoristique, ironique, factuelle. Par le choix du vocabulaire, le style d'écriture et le rythme, elle révèle mes intentions. Émouvoir, conscientiser, provoquer, informer. Tu te demandes peut-être s'il faut rédiger la narration avant ou après avoir sélectionné les images. Il n'y a pas de règle. La narration et les images s'interpellent et se répondent, se nourrissent l'une l'autre. Tu peux donc choisir l'ordre que tu préfères, même faire des allers-retours. À toi maintenant d'explorer les différentes voies possibles pour écrire ta narration. De retour. Donc, pour le premier exercice sur la narration, sur votre sujet, là, qu'est-ce que vous allez raconter, on a élaboré... PBS, qui est la chaîne publique américaine, a fait une série de portraits qui s'appelle American Portraits, ou qui demande à des Américains de se filmer comme un journal vidéo. Et pour cette pandémie-là, ils ont posé des questions qu'on va afficher à l'écran. Kevin, tu peux les afficher, qui vont peut-être vous donner un bon point de départ pour écrire votre narration. Donc, l'exercice, ça va être de répondre à une de ces 3 questions. J'adore que ça soit affiché dans ma face. On va vous demander de prendre une de ces 3 questions, puis d'y répondre. Soit vous pouvez dès maintenant prendre votre caméra et vous le mettre en mode selfie, vous enregistrer comme un journal vidéo. Vous pouvez aussi simplement brainstormer. Ceux qui sont peut-être déjà prêts à écrire, vous pouvez le partager dans le chat, puis comme ça, on pourra échanger. Donc, les questions sont quand tout ceci sera terminé? 3 petits points. Ce qui me tient réveillé la nuit, c'est
Puis, mes samedis soirs de COVID sont différents parce que. Donc, c'est vraiment des points de départ. Après, vous, si vous voulez éclater un peu, vous pouvez, mais c'est vraiment juste pour vous donner des petites pistes de réflexion. Puis comme ça, on va pouvoir le partager ensemble dans notre communauté de 64 personnes. Ah, j'ai plus la face derrière. Merci, Kevin. Oh non, c'est Sarah. Donc, c'est dans 5 minutes. On vous donne 5 minutes. C'est top chrono et c'est parti! Si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. On est là, hein? On est là pendant 5 minutes à vous attendre. Voilà. Est-ce que tout va bien? Oui, on est en. Yes. Super. Pour Boran Richard qui demande où on peut suivre la discussion, la discussion n'est pas sur Facebook, mais bien sur le chat de logiciel Zoom. Donc, il y a un bouton de chat dans le bas. Mais il sait s'il est là. Ah, OK, c'est vrai. Excuse. Mute.
OK. Rebonjour. 5 minutes se sont écoulées. Top chrono. On a eu des... On dirait que je suis dans une émission de radio, alors on va lire les commentaires qu'on a reçus en direct live. Donc, on a eu le carrousel du film. Le carrousel du film, très beau. Et ça dit, quand tout ceci sera terminé, je souhaite que l'amour de la lenteur et de la nature reste présent et vivant. Je suis team carrousel. Et on a Alexandra qui nous dit, en ralentissant, j'apprends à écouter plus profondément. J'écoute mon cœur, mon esprit, mon corps. Puis éventuellement, je remarque mon environnement de manière beaucoup plus vive. Mes enfants, mes chiens, la nature. Je respire à plein poumon, je relaxe et je vis. Très beau. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Ici, on a Karine qui dit, je me sens de temps de choix. Oups, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça se passe. Un instant, on remonte. On remonte. Donc, Karine qui nous dit... Je me sens de tant de choix, une multitude de choix. On pourrait à go faire les choses différemment. On pourrait choisir une autre route, faire d'autres choix, vivre autrement. Oui. C'est beau ça aussi. Vous êtes inspirés, les jeunes? Si vous n'êtes pas tous jeunes... OK, on y va. On a... ça semble être un poème. Oui. L'enfermement, la prison, ce qui ressemble à une prison. Un appartement dans une tour, vue imprenable sur les couchers de soleil sur Montréal. Coucher de soleil en prison. Une femme de 90 ans se retrouve bien malgré elle en prison. Mars, avril, mai, captive dans son appartement de luxe. Captive dans sa résidence pour personnes âgées autonomes. Je dis bien autonome. Autonome à ne pas confondre... avec semi-autonome, non-autonome. Ça me réveille, ça m'étourdit, cette femme, ma mère. Wow, c'est touchant ça. Wow, Julie qui est game de lire son texte live. OK. C'est qui, Julie? Can we unmute Julie? Allô? Oui. Ben ouais. Fait que c'est un texte que j'avais déjà écrit en fait, mais qui fit bien, je pense, puis je l'ai modifié un peu pour répondre à la question. Je le lis parce que ben, j'aime ça mettre de l'intonation dans mes textes, fait que ça sera pas long. Hey. Depuis le virus, je me sens comme d'habitude, puis même mieux qu'avant. J'aime ça le bordel. Les fous sont partout, la folie est en dedans. Moi, je deal bien avec ça la fin du monde. Je me suis construit un abri, juste assez grand pour contenir mes peurs, mais trop petit pour te laisser entrer. J'ai enfermé mon angoisse dans la cave, elle frappe comme une bonne dans le plafond suspendu, afin de renfermer. Tu sortiras pas de là, grand conne. J'essaye encore de flusher ma peine dans le grain du garage. Sur l'établi, mes outils prennent la poussière. Il fait trop frais, le panneau électrique est sauté. Je me suis érigé un manoir en forme de maison. J'invente des souvenirs dans tous les raccoins. Il n'y a même plus de place pour bouger. Je joue à la cachette toute seule et je me trouve plus nulle part. Je compte jusqu'à 100, je suis pas là, je recommence. Je me suis creusé un bunker, mais la guerre est pognée dedans. Ça pète de partout. Or, la cour est pleine de mines, pas question de capituler. Je vais tirer du gun dans toutes les directions, puis si je te pogne, ça va être de ta faute. Je me suis construit une fusée pour crisser mon camp du site. J'ai mis du fioul en masse, je me suis réservé un spot sur la lune, puis j'ai croisé les doigts. Décollage dans 10, 9, 8. À 0, j'ai pleuré. Je me suis créé une prison, l'éclairage est botché. À moins que ce soit la baboche qui m'ait rendu aveugle, en tout cas, ça ressemble à rien. À travers les barreaux, j'ai lancé une graine. Je fais mon possible pour la laisser germer, puis j'y pitche du 20-20-20. À chaque jour, je la regarde pousser. Quand je vais sortir du site, ma prochaine maison, elle n'aura pas de mur, mais une très grande fenêtre. C'est ça. Wow! C'est magnifique, puis c'est tellement bien écrit. Wow! C'est clairement du talent puis une voix. C'est ça qu'on cherche, avoir une voix. Magnifique plume. Julie! Donc, là, on a un texte, on a une idée comme... base, un récit numérique, c'est cette idée-là, mais on va ajouter la couche qui est visuelle. T'sais, après, en montage, on abordera aussi la couche du son, la bande sonore. Du collage, en fait, de comment on met
toutes les... C'est comme si on... Là, on met les ingrédients de notre gâteau, puis à un moment donné, ben, il va falloir qu'on le sac au four. C'est ça. Donc là, on va aborder comment supporter notre texte, comment des fois remplacer notre texte par des images, parce que des fois, une seule image forte peut remplacer tout un paragraphe. Des fois, mm-hmm. on a besoin de parler plus. Des fois, moi, j'aime bien, dans mes récits numériques, utiliser le noir, justement, quand j'ai du texte à faire passer, parce que quand tu as une absence d'image, ben, on est plus porté à s'imaginer aussi quelque chose, puis à être frappé par du texte. Donc, mais il y a d'autres façons aussi. Mm-hmm. Donc, c'est un processus organique. La prochaine étape, c'est de prendre des images, mais ça se peut que vous ayez envie de d'abord prendre des images, puis ensuite mm-hmm. écrire une narration. Exact. Donc, comme Julie, clairement, mettons, elle peut partir de son texte, puis après, tu sais, elle peut aussi aller chercher des images. Tu peux coller des images que tu as ou des dessins. Tu sais, des fois, c'est pas juste des photos. Puis là, on va écouter un petit clip d'une entrevue avec Jean-Claude Labrec, qui est un grand directeur photo. Et cinéaste aussi. Et il va nous parler d'un film sur lequel il a travaillé, un film de Gilles Groulx, qui s'appelle... Un jeu si simple, film magnifique. Gilles Groulx, si vous ne connaissez pas, Gilles Groulx, master total, dont les films sont disponibles sur le site de l'ONF et qui avait justement une conception très différente. À la base, c'est un monteur, donc il y avait vraiment une façon de faire du cinéma qui était complètement singulière et formidable. Donc, on va écouter M. Labrec, qui est décédé, malheureusement. Donc, Kevin, s'il te plaît, la vidéo. C'est magnifiquement filmé. C'est d'une justesse et d'une fluidité, Jean-Claude, assez impressionnante. En 1964, avec les appareils que tu avais. Les télévisions, elles sont toujours en plongée, donc ils ont tout. Puis, comment le tourner différemment? Comment que ce soit différent des autres choses? Il me répond. Il dit, écoute... C'est pas une partie de hockey qu'on tourne, non? Fais des visages. Va chercher les gens. Uniquement ça, là, même. De filmer le hockey à travers les visages puis de t'accrocher au visage, ouais. Je pense que c'est un coup de génie parce que c'est aussi important que le jeu lui-même. Donc voilà, moi je trouve ça... tellement intéressant juste de changer l'angle de vue. Si on parlait d'angle tantôt pour trouver le sujet, mais c'est la même chose avec quand on part avec notre caméra, c'est d'essayer de trouver des angles différents pour toujours transmettre une intention. Tu sais, c'est pas non plus juste de prendre des photos pour... Des fois, oui, on peut explorer, vouloir faire des cadrages différents, mais quand je pars avec une caméra, c'est toujours dans l'intention de... Ouais, des fois, il y a la réflexion. Après, il y a aussi des fois, c'est dans le geste, tu sais. Dans le geste, des fois, il y a d'autres idées, d'autres réflexions qui peuvent émerger. Mais oui, je pense qu'en effet, puis ce film-là, en tout cas, à voir, il est disponible sur l'ONF, un jeu simple. C'est justement, ça s'intéresse au hockey, mais le hockey a été tellement couvert de plein de... Bien, en fait, souvent de la même façon, plus dans des reportages. Puis c'était comment on peut s'intéresser à ce sujet-là puis le raconter à travers l'expérience des gens qui ressentent et qui se passionnent pour le sport national. Là, je vais vous donner un peu quelques juste notions théoriques, là, parce que de toute façon, les notions théoriques sont faites pour être transgressées après. Mais je pense que c'est quand même important de... T'es tellement rebelle. Ah oui, c'est ça. De vous juste faire un recap des différents échelles de plan. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien? C'est partagé? Le partage est bien? Attends, je vais juste le faire en français. On y arrive. On y arrive, désolé. Partage. C'est pas de la faute à Kevin, là, c'est nous. Hein. Voilà. Donc, on va passer très brièvement à travers les 7 valeurs de plan. Le plan général, le plan d'ensemble, le plan moyen, le plan américain, le plan rapproché, le gros plan et le très gros plan. C'est un langage. Le cadrage, dans le fond, nous permet
au spectateur de comprendre l'idée derrière le réalisateur. Donc, quand j'utilise un plan général, souvent, c'est le plan qui commence la scène. C'est pour situer l'ambiance, situer le lieu, l'action, pour qu'on ait une idée. Mais comme je dis, on pourrait structurer différemment. On pourrait commencer par un gros plan, on peut commencer, mais généralement... C'est pas la bonne affaire? Je sais pas. Ah, oh, c'est pas la bonne affaire, désolé. Je vais juste partager mon écran. Stop. Ah, voilà. Voilà. C'est ça qu'on disait, le plan général. Ensuite, le plan d'ensemble nous permet de situer l'environnement de l'action de plus proche. Ça nous permet d'avoir plus de détails sur l'endroit, mais tout en restant général. Quand même à l'extérieur, c'est ça. OK. On vous fait un petit... C'est quand même... C'est ça. C'est rappé très sommairement, mais après, on va vous montrer une série des différents types de photos qui expliquent peut-être un peu mieux. Oui. Mais ben, pas un peu mieux, différemment, parce que c'est bien expliqué. Donc, le plan moyen, on est dans l'action. Ça nous permet souvent d'avoir des personnages en entier. Mm-hmm. Le plan américain, mais on plus plan-taille, en fait. Oui, on est plus plan-taille, un petit peu serré. Le plan rapproché, où là, on veut vraiment dans les détails. Souvent, c'est pour commencer à avoir des expressions faciales, mm-hmm. puis détailler les actions. Des détails, oui, exact. Le gros plan, souvent, c'est... existe pour qu'on mette l'emphase, l'accent sur le sujet. Puis le très gros plan, souvent, c'est... Puis après, il y a le très, très gros plan. Non, c'est ça. Puis ça, on vous donne ces notions-là pour que dans l'exercice suivant, où on va vous demander de prendre des photos de votre environnement, que vous puissiez justement découper l'action, découper l'endroit de manière différente pour que si on fait un collage de vos photos, qu'il y a déjà une narrativité, une narration sans texte. On peut aussi parler des angles, des angles de vue. Souvent, on a tendance à cadrer très, très frontalement, mais des fois, ça vaut la peine. Mais des fois, c'est bien d'avoir exact, de se baisser si on a un regard qui est un peu plus celui d'un enfant, ou des fois d'être plus grand, ou de laisser... Tu sais, en fait, c'est ça. Ça, c'est des règles de base, mais après, moi, je suis de l'école où ces règles-là sont faites aussi pour... On peut les appliquer, puis après, on peut sortir de ce cadre-là aussi. On n'est pas pris. On n'est pas pris, mais c'est on ça. C'est un langage, tu sais. Donc, il y a des mots de base, il y a des phrases qu'on peut construire d'une certaine façon. Des règles de base. Puis ensuite, à vous... Puis, on a la chance aujourd'hui d'être avec Joannie, qui est une photographe avec un regard assez particulier, justement, qui transgresse un peu les règles, mais il y a toujours une symétrie, il y a toujours une simplicité des fois, mais des fois, c'est chargé. Donc, on va passer à travers ces photos. On va prendre quelques photos, en fait, qui expliquent justement, parce que normalement, il y a comme... Est-ce qu'on avait quelque chose sur la règle des tiers? Il n'y avait pas une vidéo avec ça? Non, OK. Mais normalement, dans l'image, la photo, souvent, on va dire « Ah, ben la règle des tiers » ou « Dans une entrevue, il y aura toujours une façon de placer le personnage, justement, au tiers. » Mais tu sais, moi, je pense qu'au contraire, on peut tout à fait aller ailleurs. Comme ici, ça, c'est une série de photos. Si on parle justement d'un thème... Ça, c'est un thème. J'ai travaillé sur un voilier qu'on a vu à la première image. Et c'est plus cet espace-là, puis l'équipage. Donc, on parle d'un sujet, puis on pose le regard sur eux. Mais comme, tu sais, c'est très centré, symétrique. Passe à la prochaine. Tu sais, c'est assez simple. Mais après, c'est que ça... Je trouve qu'avec les photos... Puis en plus, pour un récit numérique, mais avec la photo, il y a possibilité, comparativement à un film, de raconter une histoire à travers une image ou à travers quelques images qu'on met ensemble. Puis c'est là que je pense que ça peut être vraiment riche et beaucoup plus simple que du cinéma. Donc ici, on a beaucoup, beaucoup d'espace négatif. Ça, c'est sûr qu'à l'école, ils ne vous disent pas de faire ça.
Mais ça fonctionne quand même, je crois. C'est sûr que j'ai pas. Donc, vous pouvez voir cette série de photos comme une source d'inspiration pour votre récit. Dans le fond, c'est un beau huis clos que tu as eu, mm-hmm. parce que tu étais enfermé sur ce bateau-là pendant des jours, des semaines même. Des semaines, oui. Puis, tu as documenté cet environnement-là. Mm-hmm. Donc, on va vous inviter aussi à le faire pareil si vous sentez le besoin de si vous voulez, si votre récit est un récit de confinement entre quatre murs, ben, il n'y a pas juste quatre murs, il y a plein de détails, il y a plein de façons de voir. Vous pourriez filmer le plafond avec un ventilateur qui tourne. Juste cette photo-là vous dit beaucoup de choses. Vous pouvez faire des gros plans. C'est faire confiance aussi à l'évocation. Qu'est-ce que les images peuvent faire naître chez les autres aussi? Puis que ça, c'est ça. Je crois que la sensibilité... est importante. Et là, on va présenter une autre série de photos que Joanie a faites, qui était au Japon, qui s'appelle Errance japonaise. Oui. Et ça, c'est parce que maintenant, on est déconfiné, on a le droit de sortir. Donc, oui. Vous pouvez sortir. Sortez de chez vous, s'il vous plaît. Ça va être bon pour votre santé mentale. On peut passer, c'est sûr. On peut passer quand même assez rapidement, mais c'est des types de cadrages qui sont peut-être un petit peu. Moins classique, je dirais. Ça, c'est... Vous voyez ici, une photo comme ça, j'adore. Déjà, la composition est belle, le building, mais il y a un petit élément là ici, en haut, qui est un oiseau. Tout ça, ça fait une différence. On dirait que ça amène... Ça t'ajoute un peu de poésie, hein? Ouais, de la poésie, si tu veux, mais... du mouvement. C'est une blague. On y va très rapidement. J'espère que ça vous inspire. D'ailleurs, on va vous mettre le lien du site de Joanie. C'est formidable. C'est coloré. Merci, mon amour. Et si vous êtes... Vous pouvez aussi y aller dans la folie. Puis vous costumer. Puis faire des mises en scène. Ça, c'est un projet qu'on a fait ensemble, Joanie et moi. Ouais. Mais tout est placé. C'est ça. Fait qu'il y a aussi possibilité, d'y aller plus donc documentaire, comme on disait, quand tu marches, tu te balades, tu observes, ça peut être chez toi. Ou sinon, tu peux y aller aussi, tu peux faire des mises en scène qui sont plus placées. Ça fonctionne aussi. Ça peut te permettre de faire aller le petit hamster créatif, puis de faire « OK, j'ai-tu des vêtements? » Puis c'est là qu'on devient aussi, qu'on vient à regarder tout notre environnement avec des nouveaux yeux, je crois. Puis ça peut vraiment être le fun, nourrissant. Donc là, l'exercice qu'on vous donne, c'est que pendant 5 minutes, vous pouvez prendre votre téléphone, puis commencer à prendre des photos de différents angles, de différentes échelles, peut-être faire même une mise en scène avec vos objets. C'est juste un exercice pour... déconfiner justement notre inspiration. Oui, puis il ne faut pas se censurer parce que des fois, ce qui est problématique en création, c'est qu'on se censure déjà puis on se trouve déjà poche, ce qui est une très mauvaise idée. Il faut juste y aller, le faire, essayer des affaires. Puis c'est là qu'à mon avis, il y a de l'espace pour que la magie opère. Peut-être pas dans les 5 prochaines minutes, ou peut-être, mais tu sais, c'est un muscle. Fait que c'est parti! 5 minutes. Top chrono. Ou sinon, ça peut être juste un brainstorm d'idées. De qu'est-ce que ça pourrait être comme, justement, qu'est-ce que vous voyez comme image qui pourrait accompagner le récit que vous avez en tête. Ou des images qui vous inspirent. Voilà. Comme l'exemple, le texte d'enfermement de prison une personne âgée, c'est puissant. Là, puis ça peut être... Le texte est tellement fort que les images peuvent être juste atmosphériques. Oui, exact. Et le texte de Julie aussi peut vraiment être super bien illustré. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez... Oui. Ah, le film, super. Il y a quelqu'un qui a mis le... C'est Brian. Dans le chat, vous allez pouvoir voir qu'il y a
l'extrait de Jean-Claude Labrecque qui a été mis, le lien, et puis le film de Gilles Groulx aussi, le, dont on vous parlait, le lien est là également. Julie pose une question. On peut utiliser la vidéo et la photo? Oui. Nous, moi, je privilégie souvent plus la photo parce qu'on c'est plus facile de pas maîtriser, mais de maîtriser l'environnement. Dès qu'on ajoute la vidéo, il y a des mouvements. Il y a le son aussi, ça dépend si tu veux garder ton son. Mais en même temps, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis que Julie dit que le danger, c'est de trop illustrer la natation, donc de faire une répétition par rapport à ce qu'on entend versus ce qu'on voit. C'est le principe banane-banane. Donc, on te parle d'une banane, tu vois une banane, ce qui est souvent le grand danger. Je pense que si c'est ça la stratégie, il faut qu'elle soit hyper assumée. Mais sinon, en effet, il faut pouvoir imaginer. Donc, on n'est pas obligé d'imager tel quel ce qui est nommé. Donc, il suffit de faire l'exercice une fois, là, de plaquer des images sur sa narration, des images qui sont banane-banane. Donc, je marche, je réfléchis, puis on est en train de se voir, en train de se comme réfléchir. Ça. Vous allez voir que c'est juste répétitif. On n'a pas besoin. Des fois, le texte est suffisant. Des fois, une seule image pendant 30 secondes. Exact. Le pouvoir d'évocation et aussi le pouvoir du son. T'sais, on a parlé de narration, mais il y a toutes les dans le vidéo de Paul, il y a tout l'espace pour... la création sonore, l'ambiance. Mais là, on parle beaucoup, fait que ça ne vous donne pas beaucoup de temps, fait qu'on va arrêter. On revient. Mais une belle note de NB qui dit le pléonasme visuel. Au lieu de dire banane-banane, le pléonasme visuel. Beau travail. On pique. Oui. C'est pour vous donner des inspirations, on peut parler de notre processus par rapport au récit numérique qu'on a fait. Moi, moi je suis quelqu'un qui aime écrire d'abord. Donc, j'ai écrit mon texte. Puis après, j'ai décortiqué le texte en me disant qu'est-ce que je pourrais utiliser. Puis j'ai pris le parti pris d'aller utiliser mes archives personnelles, ce que j'avais documenté depuis deux mois. C'était pas nécessairement toujours bien photographié, mais ça, on sent que ça vient de mes archives, tellement j'ai ma fille, je fais un lac où Joanie se plonge. Donc, ça donne cette couleur-là. Joanie, contrairement à moi, elle a vraiment... Moi, je suis partie d'une recherche d'images, en fait. Des images qui me faisaient penser ou qui avaient peut-être justement qui allaient pouvoir avoir l'humour. Au début, j'avais écrit une narration, finalement, j'avais pas envie de ça. Je trouvais ça plus intéressant d'aller avec la typo. C'est pas pour dire que nous, ce qu'on a fait, mais c'est juste pour exprimer un peu on est passé par quel processus. Comme vous pouvez le faire. Comme vous allez le faire. On a Julie ici qui pose la question. Oui, très bonne question. Très bonne question. Est-ce que horizontal, exact. Photo horizontale ou photo verticale? Ben, idéalement, j'aurais tendance à dire horizontale, mais tu vois, moi, dans mon récit, il y avait plein de trucs verticales, puis après, c'était un facteur de difficulté peut-être supplémentaire, mais j'ai mis des fonds de couleur. Donc, c'est aussi comme tu peux le... Mais c'est sûr que horizontal va remplir ton cadre, idéalement. Puis pour la lecture des yeux, c'est beaucoup plus simple. Nos deux yeux ne sont pas... Non, ce serait incroyable. Incroyable. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à si vous avez besoin de conseils? Sinon, on passerait à l'étape du montage, l'étape qui fait peur à pas mal de monde. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on veut, là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est souvent, les gens après vont dire, ah, ben j'ai une idée ou j'ai écrit une narration, mais comment je fais le montage?
Pourtant, le montage, moi, c'est ma partie préférée parce que c'est là qu'on réécrit l'histoire. T'sais, on a écrit la première une histoire avec l'idée qu'on a eue, avec la narration. C'est là que ça devient concret, en fait. On part. De mettre les choses ensemble. Ouais. On part prendre des photos. Ça, c'est une deuxième écriture parce que ça peut changer notre histoire. Puis rendu au montage, ben, tu recommences à zéro. Là, tu prends tout le matériel que tu as, puis tu les assembles. Tu le mets bout à bout, les images. Dans l'idéal, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'imprime les photos. Puis je les mets, je les colle. Avant même d'aller dans le logiciel de montage, je fais un montage papier. Puis je me dis, est-ce que ça fait du bon sens? Je regarde avec le big picture, toutes ces photos-là, je me dis, OK, ça a du sens. Mm-hmm. C'est peut-être répétitif, peut-être que j'ai besoin de... Peut-être qu'il me manque des plans aussi, peut-être qu'il va falloir que je retourne. Donc, pour commencer, avant de... Parce que je ne pense pas qu'on va rentrer dans un logiciel de montage, on vous propose de... Il y a plein de tutoriels pour faire ça. Bon, c'est peut-être pas... Mais on vous propose d'utiliser Adobe Rush, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Qui est très simple. Très simple, en fait, c'est ça l'idée. C'est un peu comme iMovie, là. C'est vraiment... Je pense que c'est intéressant de voir le montage comme étant du collage. Tu colles des choses ensemble. Exemple, s'il y a une musique qui vous intéresse, OK, bon, ben ça devient une autre portion de votre collage. Exact. Donc, comme j'aime beaucoup parler, qui est pas vrai, on va mettre une vidéo sur le montage... Donc, Kevin, une, hein? Oui, qui s'appelle okay. Bien illustrer son propos. Kevin, c'est ton call. Conseil du pro, bien illustrer son propos. L'art du montage implique de réfléchir à la façon dont je vais assembler mes images pour qu'elles illustrent efficacement mon propos. Quand je commence mon plan de montage, je peux d'abord mettre bout à bout mes images, puis ajouter ma narration, et regarder comment tout ça fonctionne ensemble. À l'inverse, je peux aussi partir de ma narration pour construire mon assemblage visuel. N'oublie pas qu'en montage, il faut se renouveler et ne pas utiliser la même image deux fois, à moins que ça fasse partie de ton concept. S'il te manque du visuel, n'hésite pas à retourner prendre quelques photos supplémentaires. C'est peut-être à cette occasion que tu créeras tes images les plus fortes. Donc, on va vous donner juste un petit aperçu de qu'est-ce à quoi ressemble Adobe Rush. Shiraz, qui est l'animateur de l'atelier précédent, nous a préparé des belles vidéos où il montre justement comment on monte. Mais nous, on va juste vraiment y aller rapidement parce que de toute façon, le montage, ça prend du temps. Donc, vous allez prendre le temps d'apprendre le logiciel. Mais en gros, comme on dit, c'est très... Faut penser ça comme un collage. Vous mettez, surtout là, on parle de photos, donc vous mettez les photos bout à bout dans un premier temps. Et après, vous pouvez les changer de place, évidemment. Oui, c'est soit ça, puis vous pouvez soit faire votre narration après. En premier, ça peut être avant, ça peut être après, ça dépend. Vous pouvez coller, puis après, vous avez, un peut nourrir l'autre. Il n'y a pas un qui est mieux. Donc, ça ressemble à ça, le... l'interface. Donc, vous allez ouvrir Adobe Rush, vous allez créer un projet. Vous allez ajouter, là, il y a tout un... Ça, c'est l'humour de Shiraz qui dit que quand vous allez découvrir le nombre d'options, vous allez peut-être suer un petit peu. Donc, mais il ne faut pas paniquer, tout est tellement simple, on ajoute les photos. Puis c'est juste d'apprendre quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est toujours intéressant pour les êtres humains en général. Et de ne pas avoir trop peur d'essayer. Je pense que c'est ça. Mm-hmm. Un peu. Oui. Donc, le montage, comme je dis, ça prend du temps. C'est beaucoup d'expérimentation. Donc, avant de mettre vos mains dedans, nous, on veut juste vous donner quelques notions qu'on trouve importantes. On a déjà parlé du pléonasme visuel. Merci, NB. Bravo, NB. Donc, essayez de faire en sorte que les images se répondent avec la narration et non juste un calquage.
qui va juste alourdir le récit. Il y a le rythme. On aurait tendance à mettre des images par défaut quand on utilise le même temps. Ouais, un logiciel de montage. Surtout quand on, parce que je pense qu'on associe ça au diaporama. Là. Un diaporama va être toujours le même. Mais ce qui est intéressant dans un film ou dans un récit comme on fait là, un récit numérique, c'est aussi comment chaque image va prendre son temps nécessaire. Donc, ça peut être, elle peut être là 2 secondes, comme s'il y a quelque chose qui vient appuyer un propos, elle peut être là 20 secondes aussi avec une ambiance sonore. Fait que c'est de ne pas s'arrêter à se dire, OK, bien, toujours tout pareil. C'est ça. Faut vraiment le voir comme un texte, comme de la poésie aussi. Mais comme un canevas, en fait. C'est un grand canevas blanc. Et puis, on peut faire un Pollock. Puis ensuite, il y a les transitions qu'il faut toujours utiliser avec parcimonie. On ne va pas mettre des transitions. Étoile. Ça, c'était malade. C'est mes préférés. En étoile. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être rigolo. Ça peut servir. C'est ça. Ça peut servir ton, si ça sent ton... Mais j'avoue que les transitions, c'est un bon point. On appelle ça les fondus enchaînés. Quand on met 2 photos, puis il y en a une qui s'enchaîne à l'autre. Mm-hmm. Faut pas en abuser. Ça, c'est des effets qui sont un peu bonbons. Là. C'est ça, faut se calmer sur l'effet, je pense. Mais il y a un sens, il y a une utilité à ces transitions-là. C'est ça, mais s'il n'y en a pas, si ça devient juste un gadget, c'est là, à mon avis, que c'est problématique. C'est ça, faut l'utiliser avec parcimonie. Puis ensuite, il y a la musique. La musique, on aurait tendance à en beurrer épais de bord en bord avec la même musique, mm-hmm. mais c'est intéressant des fois de laisser du silence, des fois d'utiliser 2-3 sortes de musique. Mm-hmm. Puis là, les transitions audio vont nous aider, justement les fondus enchaînés d'audio vont nous permettre de passer d'une musique à l'autre sans trop de coupe. Les effets sonores aussi ajoutent beaucoup. Dans le récit de... Nous, on a décidé de les faire, on les a enregistrés nous-mêmes. On trouvait ça plus drôle. Mais tu sais, il y a Free Sound, il y a comme différents logiciels où on peut aller chercher des petites touches, plein de sons qui viennent vraiment ajouter une touche. Puis tu disais pour la musique, après, vous n'êtes pas obligé de commencer pour une première fois. Ça se peut d'utiliser juste une chanson, tu sais, mais on fait juste vous ouvrir... la possibilité d'aller ailleurs. Puis, d'ajouter des sons d'ambiance, ça bonifie vraiment. Des fois, une photo avec du silence, même si la photo est belle, quand tu ajoutes du son, là, tu fais vivre l'expérience encore plus. Complètement. Donc, voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait à dire. C'est tout un défi de faire un atelier sur un récit numérique qui comporte l'écriture, la prise de vue, puis le montage en 45 minutes. J'espère que... Fait qu'on a busté le temps, c'est ça qu'on voulait vous dire. On a fait vraiment plus longtemps. Puis, l'idée, c'est aussi d'avoir du fun. Puis c'est aussi de servir de la création pour exprimer quelque chose qui vous pogne dans le corps, puis dans le cœur. Puis, c'est ça. On a une question ici. Est-ce qu'on utilise les cellulaires ou des appareils photo plus propres? Plus propres, j'adore cette question-là. Merci, Julie. Les cellulaires, ça fonctionne, hein? Ça marche au bout. Surtout que la qualité de... à moins que tu aies un flip-flop, là. Un flip-flop? Juste un flip. Un flip. On peut vous donner un truc par rapport à l'enregistrement de votre narration. Pour le son. Dépendamment où vous êtes, des fois c'est trop écho, des fois il y a un bruit dans la voiture, il y a des sons de ville. Moi, il y a 2 endroits où on peut faire la narration, l'enregistrement de narration, c'est dans une voiture. Ouais. C'est très bien isolé dans une voiture. Il ne faut juste pas être pris dans le trafic. Ben, c'est ça. Ça dépend si tu es sur le métropolitain. Mais ça marche bien. Ou dans un garde-robe avec des couvertures. Ça fonctionne bien. Ça va juste vous donner une meilleure qualité de son puis une meilleure qualité d'écoute pour le spectateur. C'est ça. Mais idéalement, si tu es dans ton garde-robe avec des couvertes, ben c'est ça, c'est plus dur de lire ton texte. Fait que c'est peut-être si tu y vas un petit peu plus au feeling. Sinon, la voiture peut être un bon... Un bon plan.
qu'il va falloir que je vous arrête parce qu'on n'a plus de temps. On est prêt. On est prêt à arrêter. Merci beaucoup, Joanie et Paul, pour un très beau, très bel atelier. Pour les participants, si vous voulez participer vendredi à midi, il va y avoir un parti de visionnement des travaux qui ont été faits par la session française et anglaise. Donc, si vous voulez soumettre le travail que vous faites comme résultat de cet atelier, contactez-nous avant jeudi soir et vous pourrez participer donc à la session de vendredi à midi. La semaine prochaine, l'atelier sera sur les séries web. Et si vous êtes intéressé à voir les autres ateliers qui se sont passés les semaines précédentes, les archives sur le site de Collectivement Créatif ont toutes les vidéos ainsi que des ressources qui vous permettent de voir, d'aller plus loin dans ce travail. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Merci pour les gens en Zoom, merci pour les gens en dehors de Zoom et surtout merci à nos animateurs et à l'ONF pour nous avoir permis de participer à ce travail. Et merci Alexandra. De rien. Merci à tout le monde, j'espère que ça vous a inspiré. Oui, l'enregistrement de cet atelier sera en ligne aussi. Donc, s'il y a des choses qu'on veut revoir, on peut le refaire. Oh, on ne va pas le réécouter, nous. Merci.